Bien, donc je vais prendre la parole maintenant, je vais porter la parole de Jean Errard, à qui effectivement j'ai demandé il y a quelques mois en fait s'il voudrait bien prévoir une allocution pour notre colloque. Il hésitait parce qu'enfin, il s'est plutôt demandé s'il y arriverait en toute modestie, mais bien sûr qu'il y est arrivé. Et il a envoyé deux pages que je vais vous lire, et qu'il a intitulé « Comment se fait-il que la résurrection littéraire de Marmontel au XXe siècle commença comme Auvergne ?» Ce devait être écrit sur le grand rouleau. Je ne vois pas d'autre explication. Certes, Paul Vialanex, du chef du département de français de la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, avait des origines en Limousin, comme le natif de Bort-les-Orgues. Mais la naissance en Bourgogne et les origines burgondo-lorraine du jeune chargé de cour, qui, en ma modeste personne, venait de rejoindre à Clermont-Ferrand son ancien camarade de Louis le Grand et de la rue Dume, ne me prédisposait pas à m'occuper d'un écrivain dont je connaissais à peine le nom. Bref, ni Marmontel, ni Jean Errard n'étant auvergnat, ils devaient bien se rencontrer en Auvergne. Et la rencontre fut des plus naturelles. Paul Vialanex et moi cherchions ensemble, après une année de Lille réussie, comment continuer à initier vraiment à la recherche nos étudiants licenciés en cette nouvelle année d'études universitaires 1963-1964 qui conduisait à ce qu'on appelait encore le diplôme d'études supérieures et allait devenir la maîtrise. Master 1 aujourd'hui. Conscient de la distance entre Clermont-Ferrand et les grandes bibliothèques et archives parisiennes, nous ne pouvions nous résigner à tromper les jeunes gens qui nous étaient confiés en leur faisant croire que la vraie recherche littéraire pouvait consister à répéter, ou plutôt à résumer, ce que de vrais chercheurs et ou de grands talents avaient déjà publié sur nos grands classiques. Il nous fallait une œuvre importante autrefois, un peu démodée de nos jours, mais bien présente dans les bibliothèques clermontoises et où la documentation complémentaire ne ferait pas défaut. C'est Vialanex qui, le premier, prononça le nom de Marmontel. Et ma curiosité ainsi éveillée me fit aussitôt acquiescer. Je passais les jours suivants en bibliothèque à feuilleter les œuvres de cet auteur que je découvrais. J'entrevis ainsi une liste de thèmes à proposer sur les mémoires et le mémorialisme, sur le journalisme, le critique et le théoricien littéraire, le traducteur de Lucain, l'écrivain classique en quête de sujets neufs et de formes nouvelles, l'inventeur du conte moral, le librettiste d'opéra, l'écrivain engagé aux côtés de Voltaire contre la Sorbonne, c'est-à-dire à l'époque la faculté de théologie. La réunion de présentation eut un plein succès. Les inscriptions provisoires furent confirmées. Marmontel commençait à devenir ce qu'il n'avait pas réussi à être lors de ses quelques années de pensionnat au petit collège jésuite de Mauriac, un Auvergnat. Et nous le devenions ensemble. Encore était-il opportun de rendre ce rapprochement public, d'où le projet d'un colloque qui pourrait réunir quelques années plus tard, mêlé à nos étudiants qui y présenteraient leurs travaux, la fine fleur des nouveaux 18e-istes. L'idée nous vint d'appeler à l'aide pour l'éclat de l'entreprise un maître nommé à Paris après un long séjour en Pologne, Jean Fabre, qui venait d'accepter d'être mon directeur de thèse complémentaire et auquel je devais notamment une bourse de chercheur au CNRS. Nous connaissions tous les deux son ouverture d'esprit et sa bienveillante attention aux initiatives des chercheurs débutants. Il accepta aussitôt de participer à notre futur colloque, tout en me signalant la présence d'un jeune Britannique, jeune universitaire de Glasgow, qui s'intéressait lui aussi à Marmontel. N'aurions-nous pas intérêt l'un et l'autre à nous connaître ? Ce fut comme une illumination. J'écrivis aussitôt à ce monsieur,
John Renick, et nous prîmes rendez-vous à Paris. Ce sera le début d'une collaboration fructueuse, en même temps que celui d'une grande amitié. L'obligeant Marmontel profita du colloque de 1967 pour élargir un peu plus le cercle de mes relations de travail. Y apparut ainsi le grenoblois Jean Sgar, dont l'amitié me devint vite familière, puisque la Savoie où nous passions, mon épouse et moi, toujours une partie de l'été, se trouvait très proche du Dauphiné, sans oublier Jacques Syrah, Ali Beck, Marcelin de Fourneau, Joseph Sander et Eva Radzkowska. Ainsi, le petit cercle des Marmontéliens formé à Clermont au début des années 60 figurait-il assez bien la gloire européenne de notre nouvelle amie, de l'Espagne à la Hongrie et à la Pologne. Ajoutons aussi la Suède pour le beau portrait peint par Rollin, prêté par le Louvre à la bibliothèque municipale et universitaire de Clermont pour l'exposition organisée en complément du colloque. Il n'y manquait même pas, grâce à l'amateur passionné qu'était Jacques Syrah, le souvenir des guerres de clans qui opposaient rituellement les jeunes Bortois et les jeunes Cantaliens. Pacifiée, l'Auvergne suivait l'exemple de persévérance marmontélienne donné par notre chercheur britannique, après sa naturalisation française, franco-britannique des Hadsland, lui-même auto-converti à l'Auvergne, qui entraîna l'engagement durable de certains de nos étudiants, tels Jacques Wagner en 1966-67 et Jean-Louis Jam en 1971-72, et qui prolongèrent leur DES en doctorat, ou encore des collègues qui nous rejoignirent pour unir leurs forces à la nôtre, tels que Michel Bello-Antoni ou Jacqueline Lauré. Les Marmontéliens de Clermont n'ont donc pas formé un groupe éphémère. Le plus productif d'entre eux, beau cadeau dû à Jean Fabre, aujourd'hui encore est des nôtres. C'est lui que vous attendez, je me tais et lui laisse la place.